Missa Pro Ecclesia par le pape François, célébration que nous allons vivre avec vous, Père Denis Metzinger. Bonsoir. C'est la première messe célébrée par le pape François avec les cardinaux. Oui, on imagine l'émotion avec les cardinaux qui étaient en conclave. Il y aura une audience dans deux jours avec l'ensemble des cardinaux, demain. Mais là, c'est avec ceux qui étaient en conclave. C'est bien qu'on imagine l'émotion de ces hommes qui entrent en procession comme ils étaient rentrés en conclave. Le premier que le pape Benoît est allé embrasser après avoir accepté la charge de successeur de Pierre, sachant qu'il ne pouvait pas, justement, comme les autres, se déplacer pour venir le saluer et lui promettre obéissance. Et nous suivons donc cette procession d'entrée, ces mêmes cardinaux qui entraient en procession dans cette chapelle avant-hier pour l'entrée en conclave. Ce soir, ils viennent rendre grâce à Dieu pour le pape qui leur a été donné. Ils viennent, j'allais dire, comme achever, parachever la liturgie du conclave par cette célébration. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo Omnipotente, et vobis frates, qui a peccavi inimis, opere omnis, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, omnes sanctus, et vos frates, ore pro me ad Domino. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Thank you.
Oremos. Deus, il regno in Cristo, ubique terrarum dilatari, providencia mirabile di posuiti. Et omnes homines salutaris efici redemptionis participes. Presta quesumus, ut ecclesia tua universale sit salutis sacramentum, et contis hominibus reveletur expectatio gentium et salvatur earum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dal libro del profeta Isaia. Alla fine dei giorni, lecture il monte del tempio del Signore il arrivera nell'avvenir che la montagna du temple du Seigneur sarà placée à la tête des montagnes e dominerà les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche. Et ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Magnificat est nominus patre nobis con.
la prima lettera di San Pietro Apostolo. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Carissimi, avvicinandovi a lui, pietra viva. Frères, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a te, In illo tempore venit Iesus in partes Caesarea Philippi. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe.
et il demandait à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Verbum Domini. In queste tre letture vedo che c'è qualcosa di comune. Nous avons vu que è il movimento. Dans ces trois lectures, il y a la prima lettura, il movimento nel cammino. Le mouvement. La seconda lettura, il movimento nell'edificazione della Chiesa. Le mouvement du chemin dans la première lecture. La terza, nell'Angelo. Le mouvement de l'édification. Dans la deuxième lecture, et le mouvement de la confession de foi dans l'Évangile. Édificare, cheminer, confessare, édifier, confesser. Camminare, cheminer. Di Giacobbe, venite. Camminiamo nella luce del Signore. Comme le disait Jacob, nous cheminons à la lumière du Seigneur. Dio ha detto Abramo. Dieu l'a dit à Abraham. Cammina nella mia presenza. Marche en ma présence. Sei irreprensibile. Marche en ma présence. Camminare. Marcher. La nostra vita è un cammino. Notre vie est un chemin. Quando ci fermiamo, quand nous nous arrêtons, la cosa non va. Camminare sempre. Il se passe quelque chose et il faut marcher toujours en présence du Seigneur, à la lumière du Seigneur, en recherchant sa présence,
comme il l'a promis à Abraham, il sera toujours avec nous. Edificare. Édifier. Edificare la chiesa. Édifier l'église. Il parla de Petre. Il parlait de Pierre. Les pierres ont une consistance. Sinon, les pierres ont de la consistance lorsqu'elles sont vives. Elles sont rendues vives par l'Esprit Saint. Édifier l'Église. L'Église. L'épouse de Christ. Du Christ. C'est la pierre nouvelle qu'est le Seigneur. Et puis le troisième mouvement, édifier. Et terzo, confessare. Confesser. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas édifier si nous ne confessons pas Jésus-Christ. Diventeremo una ONG piatosa. Sans cela, on deviendrait une ONG piteuse. Mais l'Église, c'est l'épouse de Christ. Lorsqu'elle ne marche plus, elle s'arrête. Lorsqu'on n'édifie pas sur les pierres vivantes, il ne se passe rien. Un peu comme des enfants sur la plage qui font des châteaux de sable. Sans aucune consistance. Quand nous ne proclamons pas, nous ne confessons pas Jésus-Christ, alors celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Celui qui ne confesse pas le Seigneur, qui ne professe pas le Seigneur, confesse le diable. Marcher, édifier, construire, confesser. La cosa non è così facile. C'est pas aussi facile que cela. Parce que marcher, construire, confesser. Ce sont des mouvements difficiles. Ce sont des mouvements qui nous tirent en arrière. Cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Con una situazione speciale. Lo stesso Pietro che ha confessato Gesù Cristo. L'unique Pierre qui a confessé le Christ, qui a tué le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ma non parliamo di croce. C'est unique, ça ne parlait pas de la croix. Te seguo, mais con altre possibilità. Senza la croce. Il y a une sorte d'autre possibilité sans la croix. Camminiamo senza Mais la croce. Si nous marchons sans la croix, edifichiamo senza la croce. Si nous édifions sans la croix, confessiamo et si nous professons le Christ sans la croix, non siamo discepoli del Signore. Nous ne sommes pas les disciples du Seigneur. Siamo mondani. Nous sommes dans la mondanité. Nous sommes bien sûr évêques, prêtres, cardinaux, papes, mais nous ne sommes pas disciples du Seigneur. Je voudrais que nous tous, à travers ces journées de grâce, nous ayons le courage de marcher comme le veut le Seigneur, de marcher avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur qu'il a versé sur la croix et de professer l'unique gloire
l'unique gloire qui vient du crucifix, pour construire ainsi la nouvelle Église, l'Église renouvelée. Io ti auguro a tutti noi che lo Spirito Santo. Je prie pour que la preghiera della Madonna, l'Esprit Saint et que la prière de Marie, sa mère, nous en donne la grâce de marcher, d'édifier, de proclamer Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Frères, Seigneur Dieu, notre salut, rocher éternel, vers lui nous tournons notre supplique pour les besoins de l'Église et du monde. Per il nostro Papa Francesco. Pour notre pape François, qu'il continue à accueillir l'appel de Jésus et que sur sa parole, il jette les filets du salut dans la mer de la vie. Per sua santità, Benedetto XVI. Pour sa sainteté Benoît XVI, qu'il serve l'Église dans le secret par une vie dédiée à la prière et à la méditation. Per i responsabili delle nazioni. Pour les responsables des nations, qu'ils n'agissent pas par force, par la force ou par intérêt, qu'ils soient conscients que tout pouvoir provient de Dieu. Pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui luttent dans les difficultés de la vie, que le Christ, pasteur suprême, les console et leur donne la couronne de gloire. Per la famiglia di Dio, oggi qui convocata. Il Dio di ogni grazia che ci ha chiamati in Cristo. Pour la famille de Dieu ici rassemblée, que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ nous confirme dans notre chemin et nous rende forts dans la foi. Seigneur, c'est ta sagesse qui nous aide à cheminer dans la vie pour que le monde devienne vainqueur dans la joie et rempli de l'espérance du Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Oh.
Orate fratis, ut meum adversum sacrificium, acceptabili fiat apud Deum Pater omnipotentem. Plebis tibi sacrate respice munera misericors Deus, et per uius sacramenti virtutem concede, ut credentium in te multitudo, genus electum regale sacerdotium, gens santa, populus acquisitionis tibi jugite refugiamur. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Adiemus ad Dominum. Gratias hagamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine, Sancte Pater, omnipotens Eterne Deus, quia filius, quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem filii tui spiritus per virtute, in unum a te denuo congregare voluisti, ut plebs, de unitate trinitatis adunata, in tue laudem sapiense, multiformis Christi corpus templumque spiritus nos eretur ecclesia. Et idio coris angelici sociati, te laudamus in gaudio confitentes. Sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque adquasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Servo te Domine, ne pregamur, ut ec munera quae tibi sacranda etulimus, et ordem Spiritus sanctificare venieris, ut corpus et sanguis via, Spiritui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato et misterio celebramus. Ipse enim in qua notte tradivatum, accepit panem, et tibi gratias sacris, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dices, accipite, manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quos pro vobis tradet.
simili modo, posquancenat mes, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite se omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis refundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Memore sicitur Domine, eius en filii tui salutifere passionis, nec nomina vivi resurrectionis et ascensionis in cielo, sed in presolantis et offerumus tibi grazias. Hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quaesum in oratione ecclesiae suae, et cognoscens hostiam, cui volvisti in oratione placare, concede ulti corpore et sanguine, spiritui reficii, spiritus seius, omnium corpus et unus spiritus in veniamum amen. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, u cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari. Ecostea nostre reconciliationis, proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem, atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare dignieris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae quantibi a stare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi precentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenni te satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotente, in unitate Spiritus Sancto, omnis honor et gloria, et ora et in saecula saeculorum. Precepti salutari moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Amen.
libera nos quaesumus Domine, ab hominibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis. Non respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue. E anque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris. Qui vives et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce qui tollis peccata mundi, beati qui al cenan agni vocati sunt. Domine, non sono digno, sottinto e soffetto il mio, settanto di verbo e sanato l'anima mia. Thank you.
première homélie du pape François, le pape a évoqué trois dimensions: avancer, construire et confesser la foi. Nous appelons à centrer chacune de ces démarches, chacun de ces actes, d'abord sur la croix du Christ, Père Metzinger. Oui, il était beau de voir une méditation d'abondance de cœur, plus qu'une homélie du reste du Saint-Père, une méditation qu'il confiait à l'Église en la donnant aux cardinaux, en rappelant que, oui, il y avait dans la symphonie de la parole de Dieu, Isaïe, comme l'apôtre Pierre, comme l'évangile du Christ, il a mis en parallèle, d'une certaine manière, ces trois attitudes par rapport à l'Église. Lorsque l'Église n'avance pas, eh bien, elle s'arrête, autrement dit, elle disparaît. Lorsque on confesse pas le Seigneur, eh bien, nous sommes des mondains, nous sommes comme dans le monde. Et voir alors, si on confesse pas le Seigneur, dans le monde on confesse l'esprit du mal, le diable. Et la lumière qui nous est donnée, c'est la lumière du Christ, et c'est la lumière du Christ qui passe par la croix. On pourrait non pas y voir un programme, mais en tous les cas, une norme d'une certaine manière pour ce qu'est l'Église. C'est l'Église du Christ, c'est l'Église qui avance parce que le Christ est ressuscité, et c'est la croix du Christ qui conduit à la gloire. Sinon un programme, en tout cas une intention déjà clairement établie par le pape François, je voudrais que nous tous, à travers ces journées de grâce, nous ayons le courage de marcher comme le veut le Seigneur, de marcher avec la croix du Seigneur, de construire, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur versé sur la croix, et de professer l'unique gloire qui vient du crucifix pour construire la nouvelle Église, l'Église renouvelée. Oui, l'Église renouvelée par la mort et la résurrection du Seigneur. Et on voit en écho le message Urbi et Orbi que donnait le Saint-Père hier sur la Loggia, en disant que c'était l'évangélisation qui était première. La mission de l'Église, c'est d'annoncer le Christ, c'est de donner le Christ aux disciples et au monde. Et c'est vraiment d'abondance de cœur que le successeur de Pierre livre le fruit de sa prière. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'il faut recevoir cette méditation biblique. Nous l'avons vu, il n'avait pas de papier, et c'était vraiment le frère, celui qui préside à la charité dans le collège des 12, qui confiait sa méditation aux frères cardinaux.
Oremus. Deus, qui tuis ecclesiam iugiter pacis, robara sacramentis, concede nobis mensa celesti refectis, ut caritatis tue documentis obsequendo, fermentum vivificans et salutis instrumentum, humano efficiamur consortium. Per Christum Dominum nostrum. Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.
Ainsi s'achève cette première messe célébrée par le pape François, qu'on célébrait avec les cardinaux qui l'ont élu 265e successeur de Pierre hier après-midi. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à tous ceux qui nous ont permis cette retransmission, en particulier nos confrères du centre télévisé du Vatican. Merci à vous, Père Denis Metzinger, nous restons avec vous dans les prochains jours pour suivre à travers KTO les premiers pas du pape François. Merci, bonne fin de journée.